ONG Vivre Mieux, Dameou Rabitan. On y va. C'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Il y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, il y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Horoscope du jour, jeudi 24 octobre 2024. Bélier, vous passerez des moments pleins de gaieté avec votre partenaire. Célibataire, miracle de l'amour, vos sentiments seront empreints d'une grande franchise. La chance va guider votre journée. Vos dépenses seront réfléchies et équilibrées par rapport à vos entrées d'argent. Sous l'impulsion de Jupiter, vous vous sentirez renaître. Le travail ne vous manquera pas au cours de cette journée. Taureau, la bonne humeur de Jupiter profitera à votre vie conjugale. Célibataire, une configuration exceptionnelle pourrait vous mettre en présence de l'âme sœur. Vous bénéficierez de résultats financiers très appréciables, peut-être même exceptionnels. L'absence d'astres dans votre secteur santé indique que vous n'aurez rien de grave à redouter sur le plan santé. Climat professionnel un peu confus. Méfiez-vous, vous serez assez distrait et risquez d'oublier les choses importantes. Gémeaux, Vénus soigne votre couple. Grâce à elle, vous allez entrer dans une phase importante et positive sur le plan conjugal. Pour les solitaires, la journée sera très bonne. Les astres leur promettent une rencontre romantique et passionnée. Mars vous rendra impulsif et dépensier. Faites attention donc à cette planète. Vous n'aurez intérêt à contrôler sérieusement vos envies d'achat. Dans le travail, ça ne sera pas tout rose. Soyez vigilant dans vos négociations, car vous n'aurez pas toute votre lucidité habituelle. Cancer, Mars promet à bon nombre d'entre vous une journée harmonieuse. Célibataire, Mercure exercera un impact positif. L'ambiance planétaire générale laisse craindre des déceptions en affaires, peut-être un vol ou une perte d'argent, voire une escroquerie. Si vous prêtez de l'argent, ne pensez pas pouvoir le récupérer un jour. Suivez ce conseil de Vénus. Soignez votre sourire, car ce sera l'un de vos plus grands atouts de séduction, tant amoureuse que professionnelle. Lion, restez patient. Vous allez faire face à des divergences d'intérêts avec votre conjoint ou partenaire. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de diplomatie et de tact pour résoudre les problèmes posés. Célibataire, pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre, tandis que pour d'autres, c'est une relation récente qui évoluera. Excellente perspective financière. Vous prendrez de bonnes initiatives et vous réussirez à faire fructifier vos ressources. Vierge, en couple, la vie est belle. Un puissant vent de gaieté soufflera sur votre relation amoureuse. Célibataire, attention, une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver le moyen infaillible de vous prendre dans ses filets. Sous l'impulsion d'Uranus, vous retrouverez toute votre combativité et vos bonnes idées en matière d'économie. Vous ne ménagerez pas vos instances supérieures et critiquerez sans ménagement leurs directives. Soyez plus courtois. Balance, Saturne promet la stabilité et la sécurité conjugale. Célibataire, Saturne influencera le secteur lié à l'amour et vous donnera envie de stabiliser votre vie amoureuse, de vous engager pour de bon. Pluton sera bien aspecté aujourd'hui. Ce sera une journée de chance qui doit se traduire par des succès et des rentrées d'argent. Petit risque de nervosité en raison des turbulences de Neptune. Un petit échec professionnel vous obligera probablement à en revenir à des ambitions un peu moins éloignées de la réalité. Scorpion, en couple, vous vous sentirez épanoui et heureux. Plus amoureux que jamais, vous nagerez en plein bonheur. Célibataire, vous n'hésiterez pas à courir après tout ce qui bouge. Attention à ce train. Vous ne saurez plus où donner du cœur. Vous vous sentirez un peu sur la corde raide. Si vous vous lancez sans réfléchir, en vous fiant à vos intuitions,
elles pourront vous tromper dans vos calculs financiers. Ne soyez pas trop pressé de réaliser certaines de vos ambitions professionnelles. Acceptez les contretemps avec philosophie. Sagittaire, en couple, dopé par l'astre Jupiter, vous n'aurez aucun mal à dégeler l'atmosphère morose. Célibataire, vous allez hésiter entre deux personnes ou passer votre temps à vous laisser porter par les événements. Saturne vous poussera à l'imprévoyance financière. Un climat de douce insouciance vous enveloppera. Mais faites attention au lendemain. Des hasards très heureux vous aideront presque sans fatigue à rattraper des retards. Vos compétences se multiplieront côté travail. Capricorne, belle journée pour les amoureux. Cette journée devrait en effet apporter aux natifs vivant en couple un épanouissement exceptionnel, de la constance et de la fidélité totale à l'être aimé. Si vous êtes libre, vous aurez envie d'en profiter et vous ne serez guère pressé à vous fixer. Vous allez bénéficier du soutien du soleil qui va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Bonne résistance physique, vous vous sentirez encore mieux dans votre peau si vous bougez, si vous voyagez ou si vous faites du sport. Dans le travail, les natifs du signe Capricorne bénéficieront des bons aspects astro. Verseau, Jupiter protège votre couple. Le maître de la chance va favoriser vos relations conjugales. Célibataire, la planète Vénus sera bien positionnée et vous fera rencontrer la personne de votre vie. Certaines transactions financières demandent beaucoup de patience. Si vous allez trop vite, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Au travail, ne vous attendez pas à une évolution rapide des événements. Agissez prudemment sans céder aux impulsions du moment. Poisson, en couple, garde à Uranus. Son influence pourrait créer une atmosphère confuse et peut-être quelques tensions. Célibataire, l'ambiance lunaire de cette journée vous fera réfléchir à votre vie amoureuse. Mars vous poussera à la dépense. Cette planète a plutôt mauvaise réputation quand elle s'attaque aux finances. Alors gardez la tête froide. Vous aborderez cette journée en bonne forme physique. Seulement, évitez les excès. Vous pourrez exploiter votre sens de relations humaines et utiliser cette qualité pour développer votre situation professionnelle. Dame Euravitan, visionnaire astrologue, vous souhaite une excellente journée et vous informe que le mois de novembre sera favorable pour les 12 signes astrologiques. Tous les 12 signes de l'astrologie verront le mois de novembre favorable. Et pour que cela soit favorable, nous vous conseillons d'utiliser le savon Sachiel. Le savon Sachiel est disponible dans les boutiques Océan à 3000 francs. Tous les matins, vous mettez un peu de rouge. Le savon Sachiel est disponible dans les boutiques Océan à 1500 francs. Vous lavez avec ce savon tous les jours du mois de novembre, sauf les vendredis et les mardis. Cela vous permettra d'attirer les bonnes vibrations des planètes et être heureux tout le mois de novembre 2024. Chers amis, comme promis, nous sommes en Europe pour une tournée spirituelle, pour une tournée européenne. Alors, actuellement, nous sommes à Messancy. Nous allons rester jusqu'à demain et le samedi, nous serons à Bruxelles pour les consultations spirituelles. Donc, chers amis de Bruxelles, sachez que à partir du 26, vous pouvez nous rencontrer pour des consultations jusqu'au 31 octobre. Le 1er novembre, nous serons à Hambourg, en Allemagne. Nous allons recevoir nos amis de l'Allemagne en consultation le 1er et le 2. Le 1er et le 2, nous ferons des consultations en Allemagne. Le 4, nous allons remonter sur Paris. Le 5, nous serons à Aubervilliers, 151 rue Daniel Casanova. Et nous allons y rester jusqu'au 10 décembre. Pour tout renseignement, écrivez-nous sur notre numéro de la France, qui est le 07 84 83 04 16, ou notre numéro du Bénin, le 94 33 78 78. Je vous remercie. Que la bénédiction soit. Excellente journée de Jupiter.